Alors, de quoi est-ce que je vais parler à propos du mariage? Je vais parler du mensonge que c'est que le mariage. Moi, ça fait 11 ans que je suis mariée. Je me suis mariée, je devais avoir, je sais plus, 37 ans par là. Et je suis très heureuse de mon mariage. Mais ce que je voulais dire, j'étais très heureuse aussi quand je n'étais pas mariée. Et donc, je veux partager. Le fait que c'est un mensonge de croire que le bonheur, on ne l'a que lorsqu'on est marié. Beaucoup de femmes de ma génération, de mon âge, qui approchent la cinquantaine et qui ne le sont pas, se sentent encore plus malheureuses parce que justement, les années passent, elles ne sont pas mariées et surtout si elles sont africaines. Se sentent persécutés dans leur quotidien, dans le tissu social dans lequel elles évoluent. Mais je vous dis de ne pas vous laisser faire. Je vous dis si vous cherchez le mariage, oui, continuez à chercher. Mais ne pensez pas que le bonheur, il réside que dans le mariage. Le bonheur, il réside aussi dans le célibat. Il y a une vraie joie d'être célibataire, il y a un vrai bonheur de pouvoir vivre plein de choses qu'on peut vivre parce qu'on est célibataire. Et donc je voudrais vraiment que vous preniez conscience de cela. Et ce n'est pas de la langue de bois, ce n'est pas un jugement de haut, c'est de l'expérience. J'ai été très longtemps célibataire et franchement, je me suis bien éclatée. J'ai vécu des choses magnifiques quand j'étais célibataire. Je vis depuis 11 ans maintenant des choses magnifiques depuis que je suis mariée. Mais je veux dire que le bonheur, il ne se limite pas à ça en fait. Le bonheur, il réside en nous, en ce que nous en faisons, en ce que nous faisons de notre vie, en ce que nous faisons de notre quotidien, en ce que nous faisons de chaque seconde que nous vivons. Il ne réside pas dans ça. Il faut forcément que j'aie ça pour être marié et pour être heureux, pardon. Voilà. C'est cette petite vérité que j'avais envie de partager. Donc, si tu es passé par là, merci d'avoir regardé ma vidéo. Abonne-toi, partage-la et dis-moi ce que toi tu en penses dans les commentaires. Je te fais plein de bisous. À plus.